Et yop, bon, ça prend la vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc, présentation de mes skins. Donc, là, il reste encore 5 jours à la saison 4. Je fais cette vidéo au moment que je vais sortir la vidéo, donc le même jour. Donc, la boutique, c'est celle-là. J'ai juste acheté la chevaleresse rouge et le dame infini. Il est trop stylé, le dame infini. Et je vais vous présenter mes skins, mes danses, mes planeurs, mes pioches, mes fonds d'écran, enfin. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je suis pas lié 83, bah parce que tout simplement j'ai acheté le pass de combat quand il restait 12 jours parce que j'étais puni, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo et tout. Donc j'ai acheté le pass de combat quand il restait 12 jours, donc évidemment c'était impossible. Bah, j'ai fait tous les défis à part il reste encore fouiller des coffres à junk duction, et j'ai fait tous les défis, mais c'était impossible de c'est impossible de passer palier 100. Je voulais au moins avoir ce fond d'écran là parce qu'il est trop stylé, mitrailleur fluo. Et du coup ben là je vais, on va commencer je pense par voilà les par les pioches. Donc les pioches, donc j'ai double fonction de passe de combat de la saison 3. Donc pour ceux qui achètent le passe de combat de la saison 3, je pense qu'ils l'ont eu. Fulgurante, passe de combat de la saison 2, elle est stylée mais elle fait trop de bruit je trouve. HEV, passe de combat de la saison 3, palier 46 je crois, je suis pas sûr. Et dents de scie, ouais, passe de combat saison 3, passe de combat saison 2, Excalibur, elle est pas mal aussi celle-là. Passe de combat, je pense, ça c'est dans un passe de combat, mais je sais plus du tout c'est lequel. Ça c'est méga sucette, donc dans le passe de combat de maintenant, palier 46. Donc en fait, tous les paliers 46 sont des pioches, je pense. Et ouais. Après celle-là, c'est la pioche de carburant dans vos défis là. Carburant là. Si dans les défis en bas, vous voyez en haut, vous devez. Je crois que pour avoir la pioche, faut au moins arriver au niveau 30, je crois, je suis pas sûr. Donc à savoir, moi j'ai plutôt bien augmenté niveau 48. Donc après là il y a la pioche Zephyr, page de combat saison 4. Donc par contre, je sais plus c'est quel. Je crois que c'est au début. Ah ouais, palier 7. Donc si vous achetez le pass de combat, vous l'avez. Vous passez le niveau quoi, et vous l'avez directement, je pense. Après. La pelle à neige, elle coûte 500 V-Bucks. Donc elle est grave stylée, je trouve. Donc celle-là, je l'avais pas fait exprès de l'acheter. Mais avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas les remboursements, donc voilà. Et là, la pioche basique. Hein. Donc, je vais remettre celle que j'avais. Après on va passer au traîner. J'ai tout sauf celle là mais je vais l'avoir quand je vais passer mon niveau 50. Donc ça va, je vais l'avoir. Je pense que je pourrais arriver jusqu'au chef de section Moulot, je pense, maxi avant la fin de la saison. Les traîner, vous les connaissez tous je pense. Arc-en-ciel, bulle, vous les connaissez tous dans le passe de combat je pense. Après j'ai celui-là de la saison 2. Celui-là est grave stylé de la saison 2 je trouve. Hein. Passe de combat saison 4 ça, ouais, parce que je l'aime pas, j'aime pas. Bon, moi mon préféré c'est celle-là. Après on va passer au planeur. Donc les planeurs, j'ai lui L de Valora. Par contre je sais pas, du tout c'est quoi. Ah ouais, là palier 39, L de Valora. Donc après j'ai Démon Disco, je crois qu'on l'avait dans le pass de combat saison 2, je suis pas sûr en fait, je sais pas où. Chose l'a acheté, je sais pas. Intrépide, pass de combat saison 4, palier 79. Friandise, pass de combat saison 4. Le gros bonbon, je l'ai acheté 800 V-Bucks. Planeur magique, je sais plus. Ça c'était quand on avait le skin pour le PS Plus, le premier skin. Ça je sais plus, mais attention il est pas très très beau. Planeur carbone je sais plus non plus. Royal X je sais plus. Ça passe de combat saison 2. Quand on faisait un top 1 pendant l'événement de Noël, on avait Flocon par le planeur là. Il est assez stylé mais je le mets plus. Ça c'est quand on fait un top 1, parapluie. Parapluie de fondateur, c'est quand on a le sauvement à n'importe quel prix et qu'on fait un top 1, on l'a. Parapluie ombrelle, c'est quand on faisait un top 1 pendant passe de combat saison 3 je crois, et ça le planeur normal vous connaissez, et ça c'est exactement pareil que ce parapluie là.
Donc je vais remettre ce parapluie en fait. Ça va, il est bien. Donc là on va passer à mes skins. Donc bah j'ai carburant normal, mais enfin je suis pas niveau 65, donc ça c'est chiant. Du coup je peux pas avoir les couleurs, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai carburant, bah, vous connaissez tous hein, quand on achète le pass de combat. J'ai la chevaleresse rose que je viens juste d'acheter, elle est trop stylée je trouve. Moi j'aime avec le bouclier du chevalier noir parce que j'aime pas trop son bouclier. Enfin il est pareil hein, je sais, mais rouge, enfin j'aime pas trop. Et après il y a le chevalier, passe de combat c'est ton 2 quand on est palier 70. Donc après j'ai corbeau, ma corbeau, je l'ai eu dans la boutique à 20€. Faucheur, passe de combat saison 3 à la fin. Le visiteur c'est quand on finit les défis là, je sais plus, quand on finit bah, plein de défis de la semaine 4, quand on finit tous les défis de la semaine 4. Valora, bah, un palier 78 je crois. Voyageur noir, passe de combat saison 3. Agent d'élite, passe de combat saison 3 aussi. Agent rebelle, c'est quand, quand on achète le truc à 5€ là, l'ancien pack à 5€. Là c'est pour la tâche lunaire, passe de combat saison 3, passe de combat saison 4, saison 4, saison 2 je crois, je suis pas sûr, ou saison 3, saison 2, saison 3, saison 4. Le perso, le premier perso du PS Plus, moi je l'ai pas le deuxième, je l'ai pas encore, j'ai oublié de le prendre. Et pareil, hein, passe de combat saison 2. Et Terreur Fluo, que je trouve grave stylé, c'est, bah, je l'avais acheté 1200 V-Bucks dans la boutique. Elle est revenue il y a pas longtemps, mais moi je l'avais acheté au premier truc, donc je l'avais acheté la première fois, il est grave stylé. Donc moi le skin que je mets en ce moment, c'est Corbeau, Chevalier Noir et Chevaleresse Rouge, parce que bon, c'est mes trois préférés en fait. C'est les trois là que je mets. Donc voilà, je vais remettre la chevaleresse rouge. Donc voilà, après mes danses, j'ai acheté, bah, j'ai acheté le dab infini. Mais il est trop stylé. Bah en plus, le dab normal il coûte 500. Et là, il coûte 500 aussi, donc je préfère carrément celui-là. Il est trop stylé. Moi j'aime pas trop ce perso là. Enfin, je sais pas si vous. En fait, je préfère. Moi non, je l'aime pas en fait ce perso là. Et après, bah, je vais vous montrer mes danses. Donc j'ai le robot, peut-être le combat saison 3, vous connaissez, ou saison 2, je sais plus, saison 3 je crois. Et bah, je vais vous montrer mes danses comme ça, vous devez connaître. Bah, les masques, dans l'infini, je l'ai acheté, 500 V-Bucks. Le floss, parce que combat saison 2. Impatience, parce que combat saison 4. Saison 2, saison 2. Popcorn, saison 4. Enfin, vous connaissez, je pense. Hein. Après, là, c'est des vieux emojis, bon, enfin, c'est pas très. Pas des emojis, c'est. Voilà. Personne qui l'a fait. Donc voilà, bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Tchuss.